Lundi, avec une corne correspondant au repos du cultivateur, parce que jour de naissance du prophète, c'est installé sur lui. Les paysans, donc les cultivateurs, les agriculteurs en profitaient pour se reposer. Et jusqu'à nos jours et jusqu'à la fin du monde, vous pouvez vous promener dans les différents villages, dans les terres, demandez-leur s'ils vont travailler la terre le lundi, ils te diront non. Ça, c'est le lundi. La petite côte est constituée d'une longue série de plages coupées de pittoresques villages de pêcheurs. C'est là que se situe la véritable image du pays de vacances. Tout vous y incite à la douceur de vivre et au far niente. La mer y est calme grâce à l'abri offert par le Cap Vert et l'ensoleillement permanent. Il suffit pourtant de parcourir quelques centaines de mètres pour retrouver la brousse et les forêts de baobab. La petite côte constitue le point de départ idéal pour des excursions vers Dakar et le Siné Saloum. C'est aussi dans cette région que les hôtels offrent le plus grand nombre d'activités sportives. La population, en majorité lébou et sérère, est christianisée, même si l'islam demeure dominant. Sali Portudal, station balnéaire de la Petite Côte, a été inaugurée le 24 février 1984. Ce serait le plus grand centre touristique d'Afrique de l'Ouest. À proximité, le village, ancien comptoir portugais, est devenu le haut lieu du tourisme de masse. On a le caractère avec son bureau. Et pas ses bords ramés. La vie, une fille peule. Les peules, c'est un nomade. C'est la race la plus belle. C'est la race la plus belle de chez nous. Et le portugais demandait à la dame, je suis où? Mais la dame, elle ne comprenait pas la langue portugaise. La dame, elle croyait que le portugais lui disait comment tu t'appelles. La dame a dit, confond son nom, le nom du village, elle a dit Sali. Ah, on parlait avant, les gens disaient, bon, Sali Portugal. Parce qu'on était colonisé par les Portugais. Mais maintenant, on ne dit plus Sali Portugal. Maintenant, on dit, bon, Sali Portugal. Avec un calabasse. Tu perds ta calabasse, tu ne manges pas.
Avant les esclaves, on les faisait engraisser. Tu sais avec quoi? Avec vos deux vos haricots. Mais chaque esclave, ça c'est comme ça. Oui, ils étaient. La soupe sur place. Et si tu te débordais, les colons faisaient faim. Parce que si tu es faim, tu n'auras plus la force de ta base. Il te reste deux jours sans rien savoir. Une maison qui date de 15 ans. Là, 1444, 15 siècles. Mais quand même, on s'est fait retaper avec France Liberté. Oui. Parce que là, chaque pièce que vous voyez là, ça parle à quelque chose. Pardon, là, pour vous montrer, s'il vous plaît. Pardon. Si vous, c'est la bonne heure. Mais je vois bien, mais je vois bien. Il filme là. Oui. C'est bien. C'est vrai que le voyage, c'est la meilleure des cultures. C'est certain. Les autres cultures. Ouais, ouais, ouais. L'envoyé, c'est des vieux enseignements. À défaut de mes cultures en Afrique, c'est la tradition orale. Avec ça, on a pu transmettre aux générations futures l'histoire, passer une culture. Et comment est-ce qu'on réussit à mélanger deux voix? Avec la poule du bas de verre récupérée, trempé dans le poivron. On a un colorant naturel avec lequel on essaie de garder le décor. Dans la mesure où le bois de l'ébène a tendance à disparaître. On coupe, on ne plante pas. Là, c'est l'ébène. Le cœur est noir, l'écorce est blanche. Tu vois, on dit qu'il n'est pas raciste. Ah oui. Comme vous, sinon vous ne serez pas venu au Sénégal. Et sur ce bois qui coule, sur le poivron. Avec deux cornes, c'est jour de lessive. Parce qu'un seul puits pour toute la communauté, pour éviter d'éventuelles pénuries d'eau dans le village, mardi se choisit pour le linge. Toutes les femmes se rendent au puits pour le faire. Vrai, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est la main, pas la machine. De surcroît, quatre femmes relativement beaucoup de vêtements toute la journée. Dans la boîte, hein, ça pour bien le mot, nous connaissons.
Non, moi je fais la coupe. No.
mercredi, avec deux cornes, mais pas pareil du tout, avec celle du mardi, comme vous voyez, mercredi, tu vois, avec un petit peu d'élévation au niveau des cornes. Vous voyez, c'est le jour que nous nous rasons là-bas, une fois par semaine au Sénégal, tu peux demander. Avec le modélisme, c'est vrai, ça change un petit peu, mais dans les villages les plus perdus, ils sont encore conservateurs. Est un important port de pêche, mais ce n'est pas le plus beau. Point d'agitation extrême, les deux pôles de Mbourg sentent fort. Poissons fumés, séchés ou frais, à peine débarqués des pirogues sur le retour. De quoi décliner le règne sous-marin à tous les temps et tous les modes. La mer, ocre, ressent les effets de la pêche et des déchets, rejetés à plusieurs centaines de mètres de chaque côté. À 85 km au sud de Dakar, Mbourg est le deuxième port de pêche du pays. On aime beaucoup ce port en effervescence, cette ville où règne une certaine pagaille. Circulation d'enfer, route chaotique, fourmillement humain permanent et ses plages qui fleurent bon la marée. En 2001, un quai de pêche moderne et un phare ont été offerts par la ville de Concarneau, déplaçant à 3 km vers le sud les traditionnels séchoirs à poissons. Lors du retour des pirogues, qui partent parfois 9 jours, il règne sur la plage et sous la halle une activité incessante. Dans des paniers s'entassent escargots décortiqués, ailerons de requins, dorades. Thank you.
Juste derrière, les étalages du marché débordant de légumes, fruits, poissons, épices et herbes médicinales valent le détour, ainsi que ses tailleurs et bijoutiers. Tant qu'il y a un regard qui lève tes yeux, un sourire qui te parle et t'appelle comme il peut, oui. Tant qu'il y a un souffle qui t'effleure, un geste qui te touche et son manque qui demeure, l'amour a tous les droits et nous tous les devoirs. L'amour
tous les droits et nous tous les devoirs. Tant qu'il y a une envie que l'on écoute, reste d'attention et quelqu'un dans la foule, tant qu'on peut encore le ressentir, ne rien toucher à ça et vouloir y tenir. L'amour a tous les droits et nous tous les devoirs. L'amour a tous les droits et nous tous les devoirs. Tant qu'on peut te donner encore un peu, d'être un instant pour l'autre, une épaule pour deux. Tant qu'on peut redonner de la lumière à une terre qui n'est plus qu'une parcelle. Jeudi le quatrième jour, c'est avec quatre cornes. La cigarette, on peut te montrer. Excuse-moi, je ne l'ai pas fait pour le mercredi. Voilà. Ça, c'est le mercredi. Mariage. Le jeudi, c'est nous. Parce qu'à présent, on se marie, on convale, c'est le jour de jeudi. D'ailleurs, traditionnellement parlant, c'est encore conservé dans les villages. La première nuit que passent les deux, tout au rôle des deux mariés, et généralement, c'est la nuit du jeudi au vendredi qu'il quitte sa maison donc familiale, enfin de ses parents, pour la demeure conjugale. C'est toujours les jeudis. Le lendemain vendredi, c'est le mariage. Traditionnellement, c'est comme ça et ça se pratique encore. Quatre cordes, mariage. Deux écartés, les témoins et le couple de roi au milieu. Donc, M du mariage, le jeudi. 80% musulmans, 15,85% animistes. En plus, la cohabitation est en parfaite harmonie. Le Sénégalais, il n'est pas intégriste ni fanatique. Encore moi, Ben Laden ou Bush. Ni Bush ni Ben Laden, heureusement. C'est vrai que le Sénégal a toujours été la terre de la foi et de la fraternité. Dès l'instant que nous partageons les mêmes ancêtres Adam et Ève, c'est dire qu'on est issu du même code médical, sans barrière raciale, ethnique, sexuelle ou religieuse. Un peuple patient, pacifique, magnifique, peut-être un peu collant comme une mouche, mais pas agressif comme des moustiques. L'amour a tous les droits. Baobab signifie arbre de 1000 ans. Sa croissance est en effet illimitée, avec un tronc qui peut atteindre jusqu'à 23 mètres de circonférence. Entre lui et l'éléphant, selon un poète sénégalais, il existerait quelque obscur rapport. En dépit de sa masse, le baobab est plus fragile qu'un roseau. Ses racines sont minuscules et son bois est si tendre qu'un bâton ferré s'y enfonce comme dans du beurre. Comme dit le proverbe, on n'a jamais taillé une porte dans un baobab. Sa présence est providentielle pour les Sénégalais. Son écorce sert à faire des cordes. En cuisine, l'écorce et les feuilles sont utilisées dans la préparation de tisanes adoucissantes. Les mêmes feuilles sont consommées fraîches comme légumes ou séchées à l'ombre avant d'être réduites à l'état de poudre pour être mêlées aux aliments. La pulpe séchée du fruit, appelée pain du singe, préparée en boisson, a un goût acidulé, agréable et antidiarrhéique. Dans la réserve de Bandia, les pistes sillonnent sur 20 km les 500 hectares de cette forêt qui abrite une faune variée. Oiseaux, singes, gazelles, girafes, reptiles et rhinocéros. La forêt dissimule également des tumulus cerraires et un baobab qui abrite le tombeau d'un griot.
On va faire toujours la remarque. Ok. Et notez qu'un couvert végétal abat plutôt les oreilles d'âne, la crinière du cheval et un garrot qui fait 1 m 100 pour cette antilope qui vient du parc national du Sénégal et qui porte le nom du parc national du Sénégal, Koba. Ok. Ça s'appelle Nyokolo Koba et Nyokolo désigne une mare. Koba, c'est l'antilope. Là, vous venez s'en parler. Un tumulus cerraire contient la dépouille momifiée d'un notable local en habit traditionnel d'Apara. Une petite case reconstitue le lieu de vénération et de présentation de cette momie. Sa porte d'entrée est décorée de rondins ornés de symboles graphiques supposés protéger et honorer la dépouille. Il y a deux mâles, ça, non? Il y a deux mâles, ça.
Le tronc d'un baobab sert de sépulture à un griot. Cette pratique animiste a peu à peu disparu depuis le milieu du XXe siècle avec l'introduction de l'islamisme et a été complètement abolie vers 1960. Avant 60, vers les années 40-50, ça a commencé à avoir des déboires avec l'islamisation. L'entrée de la sépulture s'est peu à peu refermée avec la croissance de l'arbre. La durée de vie du baobab, plusieurs fois millénaire, assure la pérennité de la tombe du griot. Parlant, le panneau est là pour ça.
est passé par la forêt tout à l'heure, il y en a aussi. Ouais. Kun sapna
Vendredi, le chapeau, il nous le faut. La tenue traditionnelle, la barbe du sage, évidemment, pour la prière à la mosquée. Le rendez-vous hebdomadaire. Cela ne veut pas dire qu'on prie que vendredi. Non, on en a 5 par jour, mais la plus grande, c'est vendredi à 14h. Sali est la coqueluche du tourisme de masse. Le village touristique a été monté de toutes pièces pour satisfaire les désirs étrangers et à bien des égards, il est en marge du reste du pays. Sali semble étalée dans l'espace, mais en fait, a été conçue pour que tous les grands hôtels donnent sur le centre colonial plein sud. C'est l'aorte du village touristique. Chacun vit dans son petit univers hôtelier et tout le monde se retrouve le soir ou le midi le long de cette avenue du commerce où s'alignent magasins de souvenirs, restaurants, coiffeurs, boîtes de nuit, tout le nécessaire du consommateur en vacances. En fait, Sali ressemble d'assez près à ces stations balnéaires qui se déclinent un peu partout, sur les bords des océans et des lacs du monde. On y circule en quad, le soir on sort dans les karaokés et les chasseurs des parages viennent y draguer les touristes de passage. Sali est le summum du Farniente, encadré de la petite côte, avec tous les désirs à portée de la main. Il faut cependant reconnaître que certains hôtels ne manquent pas de charme. Allah mani rahmanu fi sabilillah.
Berminho não cheque pra fal, tenho coiô e lá por fal, armando bamba moco tal, o coto de nipa me fal, maçula foca no libal, tenho coiô de tilal, tangues no tacuí de pidal, armando bamba lá me bal, o yo como yo ti bamba tal, cheque pra dar. Amiga rap que me do cola, lion lion mo a cosa rapa. Data do cutinho nem cofal. Armando bamba na yabal, yo kotimo aitetel, limo waramu andak al, waktu unemang koy magal, disoko tay rote kawal, nyampang fekondele lakal, chik din suyo kwa gangidal. Momo
degam ju lingam momu monila degam wonga besoin de toi peut-être non plus, c'est pour sortir, plaire aux gazelles ou aux gazous, vice versa, c'est la fête le samedi, on en profite dans la semaine pour voilà.
Non, ils n'ont pas réagi. On travaille beaucoup ici. Oui, nous on travaille beaucoup. Ouais. Et les hommes? Les hommes aussi on travaille beaucoup. Mm-hmm. Mm-hmm. Parce que ça c'est le toile. Ah, oui, oui. Et le paille aussi, le paille qui sont ah, derrière. Oui, 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 le paille aussi. Ça fait des traits? Oh, ah, dans le village. Mais là j'ai des choses qui n'aiment pas bien. Il y a quand même des toilettes. Ouais. C'est bien ça. C'était ma Martine. Oh non. Oh non. Martine. Faut la laisser dormir. Oh les amis. Oh oui. Ça c'est la sable thermique. Pardon? Le sable thermique. Ah ouais. Le sable de termitière. Ouais. Les animaux n'ont pas grand chose à manger dans les champs pour le moment. C'est dur. Hein.
Dos Amanti, Willy, Gamma. Et les bras en l'air, les jambes et les quatre coins du lit se relaxent max, on se repose. Et en passant une soirée et tout, on a besoin le lendemain de se reposer. Et remarque, le cultivateur travaille dimanche. Cependant, il fait la fête de dimanche soir, puisque le lit, il ne va pas au champ. Ouais. Beaucoup travaillent dans l'administration, c'est normal. Donc, de se reposer le dimanche, après avoir été en boîte, en discothèque, le samedi soir. Donc, ici, vous avez présenté les jours de la semaine et chaque jour correspond à une certaine activité traditionnelle. Feliz, feliz, amor sincero, hoje impossível. Dois amantes apaixonados e coisa incrível. Sentimento que está sentindo com o mesmo nível, com o mesmo nível. Voilà. Oui, les capotes ça ouvert. Et les portes aussi. Gamma.